Allez, mon gars. On ferait mieux de retourner au navire. Waouh. Stop. Regarde un peu ça. Quoi? On dirait que Charlie le bourreau des cœurs va nous montrer l'étendue de son charme. Si je me battre. Hé, hey, donne-moi une pièce. Pourquoi? Bah, pour connaître mon avenir. C'est parti. Qu'est-ce que t'as pour moi, papy? Ben, j'aimerais savoir ce que va devenir mon gosse. Est-ce que ça va aller pour lui? Comment il va s'en sortir dans la vie? Ben, on dirait un poisson. La mort? Attendez, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Hé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce délire? Hé, vieux, laisse-moi un peu essayer. Ah ouais? Tu te crois meilleur? Me battre? Ouais. T'as une autre pièce? Ta note s'allonge. Je vais tenter ma chance. Ouais, on dirait que c'est moi le nouveau roi du karaté. J'ai pas raison. Hey, Chuck, on devrait retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Allez, quoi? Laisse-moi poser une autre question. Non, vraiment, il faut qu'on y aille, là.
l'air d'être sous comme des cochons. Allez, amenez-moi donc celui-là à l'infirmerie. Autre, fichez-le-moi au trou. Et qu'il y reste. Salut, Charlie. Alors, les vacances ? Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe dehors, bon sang ? Il y avait un avion, et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé... un cadavre. Quoi ? À l'infirmerie. C'est pas bon. Tire-nous d'ici. Oh,
Charlie, aide-moi. Rien pour lui. Putain de merde. Un autre cadavre? C'est qui? Oh, putain. Buckley. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au mess et il pétait la forme. Oh, le pauvre gars. Check. T'as vu le gamin là-bas? Non. Est-ce que tu te sens bien? Charlie, viens par ici! Viens là. Non, c'est pas vrai. Charlie! Ah!
Bonjour. Et bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur d'histoire, d'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort, d'histoire comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ou bien plutôt de périr. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ses décisions ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu, et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt, n'est-ce pas ? Comme dans la vie, toutes vos actions auront un impact. Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées ou le chaos que vous aurez causé. Ça suffira ? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous ? Sous l'eau. En plongée. Tu pourrais me montrer comment font les pros ? T'es sérieux ? Quoi ? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée ? Ouais. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps, j'ai dû bosser tout l'été. Ouais, c'est bon, je comprends. Wow, fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super. Tu sais quoi ? Sois relax. Quoi ? Julia et Conrad, ils sont, comment dire, carrément pleins aux os. Donc ? Arrête de criser pour rien, mec, c'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Tu sais que je suis pas très sociable au premier abord. Oh, laisse tomber. La ferme. Brad, je t'ai pas amené ici parce que t'es mon frère. Enfin, t'es mon frangin, mais c'est parce qu'on est potes, tu vois ? Si on veut. On est venu ici pour décompresser, pour s'éclater, entre potes. T'es parti dans ton délire ou quoi ? Je veux juste qu'on passe des vacances légendaires. Ok, mon pote. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance avec Julia, c'est pas évident.
Ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein? Ouais, ça tombe bien. Quoi? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah, eh ben je vais mettre celle-ci à l'abri alors. Ouais. Hey! Au fait, je pourrais te demander un truc? Ouais, quoi? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine? Non, mais... Tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Suis ton instinct. Si c'est le bon, tu le sauras. Hey! Oh, pardon. Conrad, voici Alex. Hey, salut mec, Conrad. Méfie-toi. C'est un tombeur, un vrai. Content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Je t'ai manqué. Salut. Ça te dit une petite mousse? À chaque seconde. Bah, ça fait beaucoup de secondes quand même. Sérieux, j'aurais 10 minutes. Ouais, trop bien, ouais. Ah, cool. Ah, j'adore la bière. Désolé, mais ton excuse ne tient pas vraiment la route. C'est cool, Brady Cool. T'as vraiment le vent en poulpe. Ah, c'est poupe. Eh, hey, c'était une blague. T'as déjà fait de la plongée avant? Non, pour être franc. C'est ma première fois. Un puceau? Chouette. Eh, hey, tu vas devenir un homme, grâce à nous. T'inquiète pas. Où est le capitaine de Stade Ferraille, d'ailleurs? Je vous inviterai bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir? Ah, si ça te dit, je suis partant. C'est ça, te retiens pas. Ouais. Tu veux peut-être t'allonger? Ouais. Je devrais faire ça. Eh ben. Alors, voyons ces images. Pourquoi pas par là-bas? Ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on ne trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois? Pour le fun. Je fais confiance à Brad. S'il dit que l'épave est là, elle est là. Ok, c'est toi le boss. Mais faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. C'est quoi? Je vous laisse admirer ça. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours se fier à Brad. Ouais, il est génial. Faut le remercier.
Fliss, on a trouvé un avion. Hein? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Bah, si on nous interroge, on plongeait, c'est là qu'on l'a vu. Qui le saura? Quelle règle? On est où là? À la maternelle? Il fallait que je le dise. Si on va jeter un petit coup d'œil, qui peut le savoir? Bon, ne traînez pas alors. Et surtout ne touchez à rien. Ah, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La preuve. Vous êtes paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Hey, tu devrais peut-être parler à ton frère. Salut. Salut, chérie. On pourrait rentrer par là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va? Comment ça va? Désolé, j'aurais jamais dû boire cette bière. Hey! Ça fait partie de l'aventure. Désolé de gâcher cette expédition. T'inquiète. Il en faut plus pour gâcher le voyage. Repose-toi. Remonte quand tu te sens mieux. Tu sais comment ça marche? Non. Pas vraiment. Vaudrait peut-être mieux le laisser tranquille. Le matériel va pas tarder à être prêt. T'as besoin d'aide? J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser de recycleur. Je crois bien qu'on est paré. Mais ça peut être une bonne idée que tu vois un peu comment les choses fonctionnent. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. Ouais, je sais. Tâchons de rester cool, ok? Quoi? Cool? Ce serait pas malin de se la mettre à dos. Si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger, c'est bon. J'explose. D'accord. Mais... la provoque pas. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça. Hey. Salut. Salut. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez. Ouais. Pardon pour tout à l'heure. Je crois qu'on est un peu... disons que ça fait un bail qu'on planifie ça. Je comprends. Mais il y a des règles, des lois et aussi des coutumes. Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques.
Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée ? J'ai déjà exploré des épaves. Je suis pas un pro, mais tu vois, je m'y connais. Si c'est la première fois que tu trouves une épave, tu dois savoir qu'il est primordial de suivre un certain protocole. Pour info, ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Le profaner serait illégal et immoral. Ok, j'ai pigé. Combien ? Combien quoi ? Combien d'argent est-ce que tu veux pour enfin nous lâcher un peu la grappe ? Toi ! C'est pas du tout une question d'argent. Tu sais quoi ? Faites-vous plaisir. Mais respectez les règles dans l'eau. Et vous avisez pas de faire un truc qui me mettrait dans la merde. On dirait bien que c'est un faux. Les gars, ça y est, c'est prêt. À la tienne. Ok, bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial. Ok. L'oxygène, c'est fait. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. T'es belle, Julia. Qu'est-ce que ça va être quand tu seras mouillée ? T'es en train de parler de ma frangine, là. Absolument. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Besoin d'un second ? Tu n'abandonnes jamais, toi, hein ? Alors, ils vont plonger ou quoi ? Je sais que l'attente doit être interminable, mais bon. J'ai un bon harpon. Ouais, c'est ce qu'on raconte. Tu t'en es déjà servi ? Ok, les gars. Sur un requin ? Non. C'est parti ! Et n'oubliez pas les règles, surtout ! Peut-être qu'on pourra la rallumer ce soir pour fêter notre plongée en privé. Et tu vas apporter ton harpon ? La porte de la cabine va trembler sur ses gonds. Ça va ? Plus ou moins. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme s'il pouvait inspecter l'épave tous les soirs. Là. Cette forme. Ça doit être l'avion. Wow ! Regarde-moi ça. J'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui, capitaine. Ton commandant en second peut t'offrir une bière ? Toi ! T'es pas mon commandant en second. En troisième, alors ? Non. Ton dévoué garçon de cabine. Toujours pas, non. Ton beau client qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau
aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide ambré et frais. Ouais, je veux bien. Il est vachement bien ton bateau. Où t'as trouvé le fric ? C'est une longue histoire. C'est compliqué et c'est pas évident à expliquer. Ah, j'adore tout ce qui est compliqué. Vas-y. Eh bien, ça implique des allers-retours à la banque et la signature d'un tas de papiers avec un paquet de zéros dessus. Quoi, t'as fait un emprunt ? Pas aussi bête que t'en as l'air. Si ça t'intéresse, ma famille pourrait peut-être investir dans ton entreprise. C'est vraiment sympa de penser à ça. On pourrait peut-être en discuter un peu. Tu sais quoi ? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. La météo est bonne. Comment tu te sens ? Sonné par une petite bière. Merde, je me sens trop nul. Ouais, ben vas-y mollo avec l'alcool. Ça se marie mal avec les vagues et les accidents arrivent vite. Ça marche. J'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font là en bas. Il faut pas déconner à 20 mètres sous l'eau. Alex fait l'idiot, mais il a obtenu son diplôme de plongée haut la main. Est-ce que t'es proche de ton frère ? Je le connais par cœur. Alex obéit à Julia au doigt et à l'œil. Oh, va falloir que je remonte. À plus tard. Regarde ces tableaux. Salut, ça va, tranquille ? Est-ce que je vois, tu profites au max de ton petit moment de relaxation ? J'ai de très nombreux talents. Alors comme ça t'es puni ? Comme un gosse ? Bah, je me suis dit, pourquoi perdre mon temps en bas dans le noir, alors que j'aime tellement ce que je vois ici. Je dois surveiller la plongée, mais ça me plairait bien de poursuivre cette conversation plus tard. Quand je pourrais t'accorder toute mon attention. En privé. En privé ? Ouais, juste pour discuter. Toi et moi et une petite conversation passionnée. La météo est bonne. Duke à Alex. Duke à Julia. Je vous salue, ma chère. Auriez-vous besoin de moi ? J'ai bien quelques petites idées. Oh, j'écoute. Peut-être plus tard. Et seulement si tu te tiens à carreau.
Qu'est-ce qu'ils veulent ? Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. On est censé faire quoi, là ? On va rien faire du tout. C'est moi la capitaine, alors tu te tais et tu me laisses gérer. C'est compris ? Vous voyez ? Regardez notre bateau ! On va régler tout ça, hein ? C'est pas un problème. Ça ferait combien ? 10 dollars en tout ? Oh, oups, pardon, disons 20 dollars. Ah zut, vous diriez plutôt 30 dollars ? C'est pas un problème. Eh ben, vous êtes sacrément dur en affaire, mais je comprends. Hop ! Ne jouons pas les radars. Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. Conrad ? Vraiment ? Ah ouais. Sur la tourelle arrière. Ah ! Bien joué, Conrad. La tourelle, on peut entrer par là. C'est peut-être dangereux. Quel gentleman. J'aimerais prendre une seconde pour dire... Oh bon sang, Alex, on a réussi. T'arrives à y croire, sérieux? C'est un rêve qui se réalise. Allez, faut qu'on se concentre sur l'exploration. Allez, c'est parti. Regarde, ils ont mis des canots de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Il manque un des canots de sauvetage. Peut-être qu'ils s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. Bon sang! Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait bien qu'ils se sont vus mourir. T'entends ça? Allons voir. Ça aurait pu être pire. Pilote et copilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible.
mais doucement. Ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, ouais, c'est ça. Julia, oh bordel! Ne touche à rien d'autre, pitié. Il tient quelque chose. Des impacts tout le long du fuselage. Brad va halluciner quand il verra ça. Julia, arrête! Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur? C'est peut-être dangereux, en fait. C'est juste un requin de récif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends. D'accord. Je disais que c'était le bon moment, mais... Là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... Non, en fait... Oh. Je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau, mais... Je me suis mis à genoux. Uh-huh. Julia, veux-tu m'épouser? Tu me fais marcher, hein? Quoi? Je suis sûre qu'il y a une caméra cachée quelque part. Je sais. Montrez-vous, je vous ai grillé. Julia, je suis sérieux. Alex, waouh. C'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi? Oui, oui, je veux t'épouser, grand malade. Allez, mon beau héros. T'aurais pas envie qu'on s'évade du grand piège de la mort? Fils, ici Julia. On va remonter, à toi. Eh, d'où est-ce qu'il sort, ce bateau? Attends, on doit d'abord décompresser, là. Wow! Merde! Putain, il faut qu'on remonte, vite! Hé, on doit décompresser!
merde. Ouais, ok. Les paliers, ouais. C'est pas vrai, on perd trop de temps. C'est de la torture. Tiens, encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon. Go, go! Il s'est passé quoi? Relax, hein. Tout est sous contrôle. Il y a eu un petit souci avec le barbecue. Waouh, j'ai cru que le bateau prenait feu. L'autre bateau, il voulait quoi? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe. On s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben, l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Oh, 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 la vache! Eh, mec, la classe! Ah, bien joué. Montez, on va fêter ça. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad? Plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Et la capitaine Fliss, forte, direct, têtu. Y aurait-il quelque chose entre elle et Conrad? Ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail. Donc, en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine... Certaine? Sérieux? Ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot... Idiot? Cette espèce d'idiot me sort une bague de je ne sais où. Eh, où t'avais planqué la bague? T'aimerais bien le savoir, hein. Comme vous pouvez vous en douter, pour ma part, j'étais impressionnée. Bien joué, frangin. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss? Peut-être qu'il s'est dit... Eh, je vais en boire une. Et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ah. Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner. Alors, ça fait quoi d'être bientôt Madame Julia Smith? Sincèrement, je savais pas trop quoi en penser. Mais en t'entendant le dire, j'avoue que ça sonne bien. Donc, on va devoir parler des préparatifs, j'imagine. Toi, tu sais parler aux femmes. J'ai une bonne prof. J'ai trop hâte qu'on se lance dans les préparatifs. J'ai trop flippé que tu dises non. Évidemment que j'allais accepter, crétin. Et j'en suis ravi. À la seconde où t'as dit oui, j'ai pu voir tout notre avenir s'étaler devant mes yeux. Je t'aime, Alex. Où ils sont passés? Il me semblait qu'on était censé faire la fête. Je vais aller chercher. Détends-toi un peu. Hé, hey, t'as vu mon frère? Ou Fliss? Non, j'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. Alerte, alerte! Les gardes-côtes sont là! Quoi? Balancez toute votre cam! On doit foutre à l'eau tout notre matos! Faut pas qu'ils nous prennent vivants! Oh, mais fais chier!
Sérieux, arrête un peu tes conneries, Julia. Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise ? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hey ! Hey ! Alors, ça te fait quoi d'avoir fait ta demande ? Ça soulage, honnêtement. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Pourquoi l'avoir fait en plongée ? Je l'ai.